échanger afin de trouver des solutions adéquates aux problèmes qui minent leurs activités. Voilà ce qui explique la présence de plusieurs entrepreneurs au Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Je suis venue à Cessara pour tisser des partenariats. Mais quand j'ai vu les partenaires logistiques, vous savez, dans la coopérative du Vivrier, c'est la logistique qui pose problème. Donc ça m'a beaucoup attirée pour dire que je voudrais vraiment tisser un partenariat avec cette société par rapport au transport de nos marchandises à Abidjan et en dehors de la Côte d'Ivoire. C'est à Africa Global Logistique, leader dans la logistique en Afrique, que la présidente de coopérative a trouvé une oreille attentive. Présent à la 6e édition du SARA, le groupe AGL a présenté ses solutions logistiques pour le secteur agricole. Côte d'Ivoire Terminal joue un rôle clé dans la chaîne logistique pour tout ce qui est produits agricoles à l'exportation, donc du champ jusqu'au client final outre-mer. Et donc nous, on est un terminal à conteneurs, mais on a notre rôle à jouer dans la chaîne logistique. La filiale qui gère le deuxième conteneur du port autonome d'Abidjan a aussi donné les raisons de sa participation au SARA. Tout ce qui se produit en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région passe par le port d'Abidjan et donc chez nous. On fait du café, on fait du caoutchouc, on fait du cacao, un peu tous les produits qu'on traite et qu'on cultive en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À noter que plus de 400 000 visiteurs, 800 entreprises et 30 pays prennent part à cette rencontre de l'agriculture.